étant donné que ce sera notre dernier été dans cette maison de vacances... Sache que ça nous ferait très plaisir de rester ici et de l'entretenir à votre place. Promis, on fera super attention à la maison. Alors, qu'est-ce que t'en dis? D'accord. À notre dernier été dans cette maison! Allez, allez, debout là-dedans, il est déjà 13h du matin, mon grand. Wow. Notre liste de défis à faire tous les deux. Il y a très longtemps, Lee et moi, on a rédigé une liste de tous les trucs dingues qu'on voulait faire avant d'entrer à l'université. Avec ça, on risque de finir au poste. Ouais, en vrai, on pourrait trop. Geronimo ! Quand on décide de fuir la réalité, on sait qu'on devra bien s'y confronter tôt ou tard. Et devoir choisir une université et faire beaucoup de peine à l'une de mes deux personnes préférées au monde. Nous aurons besoin de votre réponse demain. J'étais pas prête à leur dire au revoir. C'est le dernier été qu'on allait passer ici ensemble et je voulais le rendre inoubliable. Désolée, plus beau jour de ma vie! Je pense tous les deux! Noah, je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus sur liste d'attente. Elle peut pas prendre cette décision en fonction de moi. Écoute, si tu lui fais confiance, il faut que tu crois ce qu'elle te dit et rien d'autre. Ella? Oh, Marco! J'espère que ça pourra être cool entre nous. Bien sûr que ça va aller. Oh, ça, c'était pas gagné. J'ai déjà prévu un truc avec Lee. Me dis pas que c'est encore cette liste. Je suis vraiment désolée. Ça va pas trop, on dirait. Entre passer du temps avec Noah, réfléchir à quelle université choisir. T'envisageais de partir à quelle heure à Berkeley la semaine prochaine? Et réaliser les défis avec Lee. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond et de devenir à moitié folle. Tu ne t'es jamais dit que tes choix étaient trop souvent guidés par la volonté des autres? Il serait peut-être temps que tu réfléchisses à ce que toi tu veux. T'es parfaite pour être avec lui. Je rentrerai pas dans ton jeu. Noah ! Je suis tout le temps sous pression. Il faut que je trouve qui je suis vraiment. Je trouve que tu es une jeune femme exceptionnelle. Et j'en traverse notre vie. Certaines personnes deviennent des souvenirs, mais une poignée d'entre elles devient une partie de nous-mêmes.